Oscar et armes corrosives. Le genre de cocktail dont on se passerait volontiers. Il manquerait plus que ces saloperies deviennent créatives. D'après Corvus, ils ont attaqué de nombreuses caravanes. À propos de Corvus, je te bascule vers Zef. Pareil à mettre ton jardin à rude épreuve, Félix. La routine à Bastion, quoi. Ils sont dans la routine, c'est l'hyperactivité des Scars dans la région. C'est ici qu'ils fabriquent l'acide, selon nous. On sait comment? C'est à toi de le découvrir et d'y mettre un terme. J'ai trouvé la relique. L'Escar lui en fait quelque chose. Elle est instable. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue des démiurges, ça veut dire que ça coince, c'est ça? De toute évidence, oui. Freelancer, il va falloir neutraliser cette relique. Le niveau d'énergie baisse. Tu es à mi-parcours.
Relique neutralisée. Excellent travail, Freelancer. On dirait que les Scars ont placé ses œufs près de la relique. Les œufs étaient remplis d'acide. Ils ont pu utiliser la relique pour en faire des armes. Dirigeons à la deuxième relique. Ta théorie mérite d'être mise à l'épreuve. La relique est droit devant. Il y a beaucoup plus de monde ici. Regarde, des œufs partout autour. Ta théorie est valide. Je m'enverrai des fleurs après m'être occupé de ces Scars. Encore des Scars, Freelancer.
ça venait d'en dessous. Évidemment. Je déteste avoir à dire ça, mais c'est sûrement cette chose qui pond les œufs. Si on n'élimine pas le problème à la source, les Scars n'auront qu'à revenir pour fabriquer de nouvelles armes. Faye, trouve-moi un accès menant au sous-sol. C'est déjà fait. Cette porte devrait te mener sous terre. Pourquoi une porte dans une caverne? Pour empêcher quelque chose de sortir. Je vais entrer. C'est toi qui viens de hurler. Agent viril de Corvus n'est pas fan des scorpions, on dirait. Toi, pas des galapins quand même. Personne ne te sait. Le seul moyen de continuer, c'est de passer par une galerie immergée. Tu ferais bien de te dépêcher. À ta place, je m'oserais pas ici. Tu connais le proverbe, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Une omelette avec ça, très peu pour moi. C'est quoi ça? Une relique. Sois vigilant, freelancer. Elle est instable. Je déteste quand elles font ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récupère les fragments pour neutraliser la relique. Comment ils sont arrivés jusqu'ici? Ces charognes adorent creuser. C'est presque fini. Encore une poignée de fragments et c'est bon. Hé, freelancer. Encore des scars, je sais. Ouais, mais ceux-là ont l'air vraiment puissants. Une minute, elle devrait se débloquer toute seule. Devrait. Les relevés d'énergie se stabilisent, mais il faut de temps. Reste au centre. Toute interférence fera regrimper l'énergie en flèche.
freelancer reste sur la plateforme. C'est bien calme d'un coup. Ça m'étonnerait que ça dure. Lance une fusée éclairante, ça t'aidera. Tous les freelancers, vous avez des outils pour tout. Allez, on retourne dans les profondeurs. Oh, c'est pas bon ça. N'oublie pas. Si je coupe le connecteur. Une très grosse faute. Bordel. La prochaine fois, j'espère que les bestioles géantes seront signalées dans le briefing. Même Corbus ne peut pas tout savoir.
façon dont elle est morte, c'était... perturbant. Je me demande combien il va me falloir de bière pour oublier ce truc. Je dirais environ 8. Une pour chaque patte de la reine. Laissez parler de Scorpion, je vous en supplie. Wow.